Vous êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, les autorités burundaises devraient tenir compte de la ligne directrice tracée par le prince Louis Rwagasore, unir tous les Burundais sans tenir compte de leurs différences. Dans ce journal, vous suivrez la déclaration du président du parti UPRONA à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'assassinat de ce héros de l'indépendance du Burundi. Les groupements financiers communautaires désormais soumis au nouveau règlement de ce 10 octobre 2023. Vous suivrez dans ce journal le contenu de ce communiqué relatif aux groupements financiers. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Célébration ce vendredi du 62e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, héros national de l'indépendance. Après la victoire du parti UPRONA en 1961, le prince Louis Rwagasore a prononcé un discours réconciliant ceux qui venaient de perdre et ceux qui venaient de gagner les élections. Toutefois, il n'a pas oublié de préciser que son gouvernement allait mettre en avant l'unité nationale, pilier du développement, et combattre avec la dernière énergie les Burundais qui se méconduisaient. Suivez à ce propos cet extrait du discours du héros de l'indépendance du Burundi. Dans toute compétition, fut-elle politique, il y a un gagnant et un perdant. Et UPRONA, de par votre libre volonté, est sorti vainqueur de l'élection législative et formera demain le premier gouvernement du Burundi autonome. Vainqueurs et perdants sont tous des Burundis, membres de la même famille nationale, enfants d'un même moine. Le Burundi a besoin de tous, à quelques partis politiques qu'ils appartiennent. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, la victoire électorale d'aujourd'hui n'est pas celle d'un parti, mais le triomphe de l'ordre, de la discipline, de la paix, de la tranquillité publique. Car sans autorité forte, aucun pays ne connaît l'ordre, la paix, la tranquillité. Sans autorité forte, point de progrès. C'est aussi le triomphe de la démocratie telle que le peuple burundais la comprend et la veut, c'est-à-dire la véritable justice sociale plutôt que les formes extérieures d'une démocratisation des surfaces. Les irresponsables, quels qu'ils soient, et j'exhorte surtout les partisans et amis de l'UPRONA à se montrer dignes de la victoire du parti. Les militants actifs doivent agrandir le cercle de nos amis, tendre loyalement et colonialement la main aux adversaires d'hier, et non étaler de l'orgueil et de l'insolence. Le comité national de l'UPRONA sera sans pitié pour ceux de ses partisans qui ne respectent pas ce mot d'ordre impératif de courtoisie, de tolérance et de respect d'autrui. Car le parti ne tolérera pas que le prestige, l'honneur et l'avenir de la patrie soient compromis par des paroles ou des gestes irréfléchis de quelques exarces. La campagne électorale est terminée. Le passé doit être oublié et il ne faut plus penser qu'à l'avenir qui est prometteur si nous l'avons et si nous agissons en conséquence. Par conséquent, les hommes qui se permettront de décourager ou importuner les étrangers ou les adversaires politiques sous le prétexte de la victoire du parti nationaliste seront considérés comme les ennemis de la patrie et seront punis de manière exemplaire. Aux voleurs, agresseurs et bandits de toute espèce, nous annonçons une répression énergique et impitoyable, un châtiment dont ils s'en souviendront. Les autorités burundaises doivent tenir compte de la ligne directrice tracée par le prince Louis Rwagasore, celle d'unir tous les Burundais sans tenir compte de leurs différences. Propos du président du parti UPRONA, Olivier Nkurunziza, à l'occasion du 62e anniversaire de l'assassinat de ce héros de l'indépendance du Burundi. Au moment où le Burundi commémore cet événement, il trouve que le gouvernement a la responsabilité de faire du Burundi un pays meilleur où tout le monde jouit de ses droits. Le discours de Rwagasore, quand on essaie de l'analyser, ça reste toujours une ligne directrice que les autorités burundaises pouvaient toujours suivre parce que quand il demandait que les Burundais soient unis, il faut qu'effectivement nos autorités pensent toujours que dans la mise en place de différents postes, qu'ils tiennent compte de cette unité des Burundais
provenant dans les ethnies différentes, mais aussi des partis politiques différents, parce que tous les Burundais ont besoin de contribuer, que personne ne soit pas exclu suite qu'il est dans un parti politique ou de l'ethnie telle, parce qu'ils ont des talents, ils ont aussi à contribuer dans notre pays. Mais autre chose qu'il doit tenir compte, c'est de développer le pays. Bien sûr, nous avons entendu le mot d'ordre de son Excellence, le Président de la République, qui demande au Burundi de travailler afin de produire pour que le Burundi ait des devises. Mais la question qu'on se pose toujours, c'est de savoir effectivement, en attendant qu'il y ait la production, qu'on ait à vendre à l'extérieur du pays. Alors, il faut qu'il y ait des mesures, effectivement, pour que la vie des Burundis ne soit pas une vie qu'on observe aujourd'hui. Alors, cela, c'est la responsabilité du gouvernement de penser, de chercher toutes les stratégies afin que les Burundais aient une vie meilleure, comme le prince Louis Gbagbasole le souhaitait, d'avoir un pays heureux et un pays prospère. Mais aussi, il faut toujours travailler pour que les relations diplomatiques soient très assainies. Nous saluons l'étape déjà franchie, mais qu'on ne retourne pas en arrière aujourd'hui. Le Burundi prévoit de construire des villages modernes à travers les communes et provinces du pays d'ici 2040. Cela pour désengorger les collines et créer de grandes surfaces cultivables. Ce sont là quelques-unes des prévisions de la vision du chef de l'État pour un Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Des propos tenus par le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, lors d'une réunion avec les intervenants dans le secteur de la sécurité publique ce jeudi. Les administratifs ont démontré quelques réticences face à cette mesure qui va entraîner le déplacement des gens de leur parcelle. Les détails, c'est dans ce reportage signé Sheira Ilambona. Proposer ce qui doit être mis dans le document final de la vision pour un Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060, c'est ce qui a réuni tous les intervenants dans le domaine de la sécurité dans une réunion ce jeudi. Au cours des discussions, beaucoup d'interventions sont revenues sur le point de construction des villages modernes. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, a indiqué que ces villages ont été prévus pour désengorger les marais afin d'avoir des espaces cultivables. Ces villages ne vont pas être construits pour rien. C'est pour encourager les gens à quitter les marais pour qu'on puisse avoir des espaces cultivables, pour que ces gens puissent vivre convenablement. Les administratifs ont indiqué de leur côté qu'il va être difficile pour eux de faire comprendre cela à leurs administrés que cette mesure va leur être bénéfique. Nous avons effectué sous vos directives une réunion pour leur expliquer qu'ils doivent quitter les collines pour venir dans les villages. Nous avons aussi donné des terrains au niveau des communes. Nous avons rencontré quelques difficultés. Les gens âgés n'ont pas accepté de quitter leur propriété. Que la commune cherche des fonds pour acheter ces terres afin qu'elles soient propriété de la commune. Je ne sais pas si cela est possible ou pas. Si la commune ne le fait pas, le gouvernement devrait l'envisager pour multiplier les terres cultivables. Au ministre de l'Intérieur d'appeler les gouverneurs à faire le suivi. Concernant le projet de 2040 et 2060, il y a beaucoup de choses à faire, qu'on peut faire même sans fonds. Monsieur le gouverneur administratif, vous n'entendez tous ceux qui ne veulent pas mettre en œuvre la vision du chef de l'État démissionner. Les administratifs ont clôturé cette réunion en demandant que ces parcelles dans ces villages soient attribuées à des gens de faibles moyens. Merci Sheila Irambona. Les groupements financiers désormais soumis à un nouveau règlement depuis ce 10 octobre 2023. Cela transparaît dans le communiqué de la Banque de la République du Burundi qui est sorti à cette même date. En outre, la mesure du 31 janvier 2023 porte en suspension d'enregistrement de nouveaux groupements financiers communautaires et levés. Quant aux groupements déjà enregistrés, ils disposent d'un délai
de 6 mois pour se conformer plutôt à ce nouveau règlement. Jean de Dieu, il a causé, nous a lu le contenu de ce communiqué. Les groupements financiers communautaires sont désormais régis par le règlement numéro 14/M/23 depuis ce 10 octobre. Ce règlement est relatif à leur enregistrement, leur fonctionnement ainsi que l'enregistrement des comités de gestion selon le communiqué de la Banque centrale. Les groupements financiers communautaires déjà enregistrés ont un délai de 6 mois pour se conformer au règlement indiqué ci-dessus, comme ce communiqué signé par Edouard Normand Bigendako, gouverneur de la Banque de la République du Burundi, le précise. La mesure suspendant l'enregistrement de nouveaux groupements financiers communautaires avait été prise le 31 janvier 2023 suite au non-respect des dispositions en rapport avec les activités autorisées à ces derniers, avait expliqué la Banque centrale sans donner beaucoup de précisions dans le communiqué du 31 janvier de cette année. En définitive, ce communiqué récent rappelle en outre que les groupements financiers communautaires sont uniquement autorisés à effectuer des activités de collecte des cotisations de leurs membres et l'octroi des crédits à ces derniers selon l'approche convenue. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro et bon week-end.